Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez le live. On va parler. On va parler. Je vous prie de partager le live. Partager un live, c'est permettre à ceux qui ne sont pas abonnés sur ma page, ceux qui ne sont pas connectés, de pouvoir suivre, hein, que ce soit en direct ou en différé. C'est ça le plus important. Nous faisons désormais de la communication propre. Moi, je ne fais pas des invectives dans ma communication. Je suis un grand. Et quand on est grand, on fait de la bonne communication. Je ne rentre pas dans les slips des gens. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Ça ne m'intéresse pas. J'ai ma vie privée. Vous voyez bien que je suis chez moi. Vous ne savez pas ce que je fais chez moi, avec ma femme et mes enfants. Donc, ce que les autres font chez eux, avec leurs femmes et leurs enfants, ne m'intéresse pas. Je m'occupe de moi-même. Mes lives, ce sont des lives de conscientisation. Ce sont des lives de conseils. Nous sommes à l'ère du CTI, Ali Bongo. On l'a donné un bon coup de pied aux fesses. Donc, la lutte est désormais terminée. Nous sommes là désormais pour soutenir les actions positives du CTRI. Que ça vous fasse du bien, que ça vous fasse du mal, vraiment, je suis désolé pour vous. I'm very sorry pour vous. Moi, j'ai toujours été un acteur depuis 2015. À côté de Jean-Ping, j'étais un acteur. Jusqu'à 2023, j'ai continué. Donc, je suis reconnaissant de ce que le CTRI a fait en nous enlevant de la bouche du loup qui s'apprêtait une fois de plus à finir avec nous, en deuil nos familles, et en dehors les Gabonais. Parce que ces gens-là, rien qu'à voir comment ils se sont comportés avec nous durant les 14 ans, ils ont montré à suffisance qu'ils n'étaient pas Gabonais et qu'ils n'avaient rien à cirer des Gabonais. Quand on aime son pays, on s'occupe de ses concitoyens. Bon, mon intervention de ce soir, on va parler de la foi. Vous voyez, j'ai fait plusieurs publications et je me suis d'abord un peu trompé parce que je pensais que c'était aujourd'hui. Après, j'ai eu des informations sûres qui me disaient que c'était la semaine prochaine. Donc, il y a la foi. Il y a la foire aux poissons du 20 au 21. Donc, j'écoutais Bikele, j'écoutais Charbonnage, puis j'écoutais Oula encore. En tout cas, trois hommes. Donc, il y a ce qu'on m'a déjà reçu. Je ne cours pas après une telle réception. Hein? Quand ils auront envie, moi je reste avec lui ici au Gabon. Quand ils auront envie de me recevoir, il me recevra. Hein? Il me connaît,
il connaît mon prénom, il suit ce que je fais. Donc, la foire aux poissons, c'est du 21 au 22, donc 2 jours. Il y a déjà 120 000 tonnes. Il y a déjà 1200 tonnes. 120 tonnes de poissons qui est déjà mobilisé. 120 tonnes. Quand on essaie de compter, ça fait 120 000. Parce qu'une tonne, c'est 1000 kilos. Ça fait 120 000 kilogrammes. Hein? 120 000 kilogrammes de mobilisés pour cette foire aux poissons. Ne gaspillez pas votre argent. Le kilo de poisson sera à 800. Ne gaspillez pas votre argent pour aller boire les bières. Hein? Je m'adresse aux hommes, je m'adresse aux femmes, je m'adresse aux filles mères et je m'adresse aux célibataires. Moi-même, j'y serai. Avec 800, tu as 1 kilo. Donc si tu mets 8000 francs de côté, tu as tes 10 kilos de poisson. C'est tout type de poisson. C'est pas que j'ai vu des gens dire oh non, ce sera seulement la sardine, ce sera seulement le maquereau. Non, c'est tout type de poisson. Donc, cette foire aux poissons doit être une réussite parce que c'est la première fois que ça se produit à Libreville sous l'ère de cette ère. Beaucoup d'entre nous, moi par exemple, j'aime manger du poisson. Mais parfois, tu es obligé de ne pas acheter le poisson parce que le poisson coûte cher. Contrairement au poulet. Aujourd'hui, le kilo de poisson est à 4500. C'est trop, c'est abusé. Combien de Gabonais ont suffisamment d'argent aujourd'hui pour s'acheter des dizaines de kilos? Alors, pour la première fois, il y a une foire aux poissons. Réserve un peu d'argent. Tu as 10 000 de côté. Tu as 10 000, tu mets de côté. Parce que tu dois aller à la foire aux poissons. Tu dois aller acheter ton poisson. Tes 10 kilos, là, ça peut peut-être te faire 3 ou 4 jours de bouffe avec les enfants à la maison. Au lieu de dépenser de l'argent, aller boire dans les bars. Hein? Aller faire le concours de bière avec les autres dans les bars. Après, vous êtes les premiers à dire oh, je souffre, oh, machin, oh, on ne m'aide pas. Oh, non. Réservez l'argent, c'est la semaine prochaine. Le 21, c'est la semaine prochaine. Donc, il y a 2 jours. Si tu rates le 21, ne rate pas le 22. Si tu rates le 22, sois moins présent le 21. Il va y avoir 3 grands sites de vente de poissons. D'après ce que j'ai suivi tout à l'heure au journal, il va y avoir 3 grands sites de vente de poissons. Venez acheter le poisson massivement. C'est 120 000 kilos de poissons qui seront. Je crois que ça va même, je ne sais pas si ce serait suffisant pour Libreville. Je ne sais pas si ce serait suffisant. Parce que 120 000 kilos de poissons, avec tout ce qu'il y a comme population dans l'estuaire, ce sera énorme. Ce sera énorme. 120 000 kilos de poissons. Donc, laissons un peu de côté les histoires de poulets, des embaumés qui nous viennent du Brésil, qui nous viennent de la Chine, qui nous viennent de la France. Mangeons d'abord un peu le poisson de chez nous, du bon poisson vitaminé. Pourquoi manger du poisson? Nous devons attendre la foire aux poissons. Non, la foire aux poissons, c'est une idée du ministère de la pêche. Hein? Il paraît que ça avait eu lieu à Port-Gentil l'année dernière.
Ils n'ont pas fait grand bruit. Maintenant, cette année-ci, ça se passe à Libreville. Donc, ils ont déjà commencé la publicité. Il faut que ça se passe. Il faut que ce genre d'initiative se passe de temps en temps. La foire au poisson. Peut-être plus tard, il va aussi y avoir la foire à la banane. Ou bien la foire au manioc. Et là, peut-être le bâton de manioc, qui est, je crois, un bâton de manioc, c'est 100 francs. Hein? À Nizok, je ne sais pas, à Nizok, c'est 300. On va peut-être descendre à Nizok, peut-être à 100 francs. Hein? Donc, ce sont des bonnes initiatives. On commence toujours par quelque chose. Arrêtez de demander plus, parce que vous, les Gabonais, vous êtes comme ça. On vous donne la main, hein, et vous voulez prendre le bras. Ali Bongo était là. Vous étiez dans l'incapacité de lui demander quoi que ce soit. Vous étiez incapable de demander quoi que ce soit, vous étiez incapable de revendiquer quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est-à-dire que parfois je suis là, je vous regarde, je me dis, ces gens-là, ils ont maintenant quel courage ils ont aujourd'hui à faire la grande gueule au CTI, à faire la grande gueule aux membres du gouvernement et à faire la grande gueule vis-à-vis des gens comme nous. Oh, les Béninois là, il faut m'arrêter ça. Arrêtez-moi les Béninois là, je ne veux pas vous voir quand je parle des choses du Gabon. Sincèrement, je ne veux pas vous voir en train de mettre vos publicités là, sinon vous allez vous énerver, sinon vous allez m'énerver. Bloquez-les-moi là-bas. Donc, voilà un peu. Hein? Voilà un peu. Soyons prêts pour la foire aux poissons. Soyons prêts pour la foire aux poissons. Laissons un peu les histoires d'embaumer là. Hein? Les embaumés de poissons, les embaumés de queue, les embaumés de cotis, les embaumés de comment on appelle ça, de dindon, tout ça ce sont des embaumés. Mangeons un peu gabonais, le poisson de chez nous. Vous savez que le thon du Gabon aujourd'hui, c'est un thon qui est reconnu internationalement. Il paraît que nous avons le meilleur thon. Donc, si nous-mêmes au Gabon, nous avons le meilleur thon, nous ne le reconnaissons pas. La valeur de notre thon, ce sont les étrangers, ce sont ceux qui sont en Occident, qui connaissent la valeur. Vous savez qu'il y a des bateaux qui viennent au large du Gabon, qui viennent faire la chasse, qui viennent faire la pêche au thon. Et on nous fait manger encore ce thon-là, les boîtes de thon qu'on nous amène là. Une boîte de thon qui coûte peut-être 5 000, 3 000, 4 000. Nous, on est là, on mange, on a le goût. On se dit que c'est le thon qui vient de, je ne sais pas, de l'Europe du Nord, alors que c'est le thon qui vient du Gabon. Les sardines, là, les boîtes de sardines que les Marocains nous vendent là. Et ce sont nos sardines. Hmm? Ce sont nos sardines. Oh, les Béninois, là, vraiment, c'est pas possible. Signalez-les-moi. Hmm? Ce sont nos sardines que ces gens-là prennent ici. Ils partent transformer chez eux. Après, ils reviennent nous les vendre sous forme de boîtes de sardines. Et on est tout content. Ah, moi, je mange bellement. Mais bellement, ce sont nos sardines là, du Libre du Gabon là. Ce sont nos sardines du Gabon. J'arrive, excusez-moi. Ce sont nos sardines que les gars prennent, ils partent transformer chez eux et ils reviennent. Ils nous vendent ça à coup de millions et nous on est là en paix. Hein? Voilà. Donc ça c'est la foire aux poissons, n'oubliez pas, c'est du 21 au 22 juin. Donc la semaine prochaine, préparez le pognon. Préparez le pognon. C'est 120 000 kilos de poissons. 120 000 kilos de poissons. 120 000 kilos de poissons, ce qui fait 120 tonnes. Donc, c'est pour ramener les Gabonais. Il faut qu'on apprenne désormais à manger
nos choses au lieu de manger les choses des autres. Parce que c'est tout ça qui nous gonfle là. Vous savez que les maladies que nous contractons sont beaucoup plus à l'origine, c'est beaucoup plus l'alimentation qui est à l'origine. Maladies que nous avons. Vous voyez les gens, oh, j'ai l'insuffisance rénale, j'ai le diabète, j'ai, comment on appelle ça, beaucoup de maladies là, c'est dû à quoi? C'est dû à l'alimentation. C'est dû à l'alimentation. Voilà pourquoi les Américains aujourd'hui, ils ont conçu des produits tels que les compléments alimentaires. Parce que vous voyez un poulet qu'on mange. Hein? Vous mangez un poulet aujourd'hui, vous ne savez pas quand est-ce qu'on l'a tué. Peut-être il y a 10 ans, on l'a tué et on l'a conservé. On l'a conservé au foie. Vous ne savez pas combien de pays il a traversé. Vous ne connaissez pas tous les produits qu'ils ont mis sur lui. Hein? Tous les produits qu'ils ont mis sur lui. Jusqu'à ce qu'il atterrisse dans nos assiettes. Donc il y a tout ça là. Le poisson perd ses vitamines, le poisson perd la saveur. Donc les Américains aujourd'hui, eux, ils ont le concept de... comment on appelle ça? Ils ont le concept de complément alimentaire. Ce qui fait que ce qu'ils ont perdu, quand tu viens bouffer ce genre de nourriture, ce qui était perdu comme vitamines et tout ça là, tu les compenses avec les comprimés, avec les compléments alimentaires que tu prends. Voilà un peu comment ça se passe. Ça, c'est concernant le poisson. Consommons du poisson. Consommons des produits de chez nous. Consommons les produits de chez nous. Regarde même comment il écrit portefeuille magique. Des gens bêtes, il écrit portefeuille magie. Et c'est comme ça que vous voulez attirer les clients. Tu ne sais même pas écrire. Un maître, je ne sais pas, un maître machin, portefeuille magie. Bête que tu es. Bon, nous allons maintenant parler de Bla. Jusqu'à présent, Bla est toujours interné. Il est interné à l'hôpital militaire Bakanga. Voilà, les autorités judiciaires ont voulu faire, enfin pas ils ont voulu, ils sont quand même partis à cet hôpital pour constater son état. Malheureusement, ils ont été empêchés de voir Bla, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est le cancer. Le cancer se nourrit des angoisses, le cancer se nourrit du stress. Plus tu, quand tu as le cancer, plus tu stresses, plus tu as des angoisses, ça développe de plus en plus la maladie. Ça développe de plus en plus. Le cancer, quand tu as le cancer, tu mérites repos. Repos, tu fais le vide dans ta tête. Tu es là, tu manges, tu dors. Tu manges, tu dors, tu regardes la télé, tu regardes des programmes qui sont agréables. Hein? Tu regardes des programmes qui sont agréables. Or, ils savent bien, ils connaissent bien la situation dans laquelle se trouve ce monsieur. On le trimballe au tribunal comme s'il était bien portant comme moi. On le trimballe au tribunal pour des procès. On voit bien son état. Ce n'est pas des procès d'une heure, deux heures, trois heures. Non, des procès qui durent 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, qui vont même jusqu'au lendemain. Vous vous rendez compte, moi je vous ai expliqué que quand j'ai assisté au premier procès, moi-même, le procès a commencé à 12 heures et à 18 heures, je suis parti parce que je me sentais fatigué. Même le fait d'être assis sur place, c'est fatigant. À plus forte raison, quelqu'un qui est debout. On est à la barre, vous êtes à la barre, vous êtes debout pendant des heures, des heures, des heures et des heures en train de répondre aux questions. Mais pour quelqu'un, je vous ai raconté, vous savez, j'ai fait un post ce matin. J'ai vu des gens qui sont venus me traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous savez, moi, je ne suis pas un rancunier.
En dehors d'Ali Bongo, que je ne peux pas pardonner pour ce qu'il a fait en 2016. Mais les autres, moi, je n'ai pas de problème avec eux. Vous avez compris? Les autres, je n'ai pas de problème avec eux. J'ai dit en dehors d'Ali Bongo qui a fait tuer les gens en 2016. Le reste, je n'ai pas de problème avec eux. Ce monsieur, je ne suis pas allé vers lui. C'est lui qui a envoyé quelqu'un venir me chercher. Parce qu'il voulait discuter avec moi. Il voulait me raconter ce qu'il a vécu. Et moi, je suis un chrétien. Du moment où je sais que ce monsieur s'est converti, il est devenu mon frère en Christ. Je suis un chrétien. Et je me suis levé, je suis parti. Et il m'a raconté le calvaire qu'il a subi et les motivations qui ont amené Sylvia Bongo et sa young team de l'envoyer en prison. Et c'est ce que j'écris. Je vois des gens qui disent, oh oui, donc Sylvia Bongo aussi, demain, machin. Sylvia Bongo, parce qu'elle et moi, on se connaît. Parce que Sylvia Bongo fait quoi? Je vous ai dit hier que dans tout ce qui était avec eux, Bla est celui qui est le plus aimé. Vous présentez Bla, vous présentez Ali Bongo, les gens vont prendre Bla. Vous présentez Bla, vous présentez Sylvia Bongo, les gens vont prendre Bla. Vous présentez Nouredine, vous présentez Bla, les gens vont prendre Bla. Vous présentez Yangoulou, vous présentez Bla, les gens vont prendre Bla. Et on peut faire, vous prenez Bilibizé, vous prenez Bla, les gens vont prendre Bla. Et la liste est très longue. Pourquoi? Parce que ce monsieur est généreux, il a rendu beaucoup de services aux gens. Et les gens, jusqu'à présent, continuent de témoigner du bienfait, hein, de ce que ce monsieur leur a fait. Alors, c'est pas parce que à l'époque, moi j'étais avec Ping, lui il était avec Ali, que sinon, qu'est-ce qu'on ferait avec le CTRI? On peut dire aussi que le CTRI, les militaires ont été avec Ali, pourquoi aujourd'hui ils sont avec nous? On peut dire la même chose. Vous êtes dans un processus de haine. Vous êtes dans un processus d'aigreur. Je ne rentre pas dans ça. Vous avez compris, je suis un chrétien. Je sais pardonner. Et ce monsieur a souffert. Non seulement, il a fait la prison 5 ans dans le noir, en dormant dans l'eau, en mangeant dans l'eau, en faisant caca dans l'eau, en pissant dans l'eau. Hein? Donc, il ramassait presque tous les microbes. Mais ça, c'est déjà une punition. Vous aurez voulu quoi? Qu'on l'amène à la guillotine? On l'amène à la guillotine parce qu'il a tué qui? Voilà Ali Bongo qui est là. Ali Bongo qui a fait tuer des centaines de Gabonais en 2016. Jusqu'à présent, des mamans pleurent. Pleurent leurs enfants. Pleurent leurs enfants. Vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous n'en voulez pas à ce monsieur qui a fait tuer les Gabonais. Et puis vous voulez en vouloir à quelqu'un parce qu'il était collaborateur d'Ali Bongo. Mais vous les Gabonais, vous êtes devenus inhumains. Il a fallu que les militaires sortent pour nous libérer, pour voir vraiment le vrai caractère inhumain du Gabonais. Beaucoup de gens aujourd'hui combattent le CTRI. Parce qu'ils auraient souhaité qu'Ali Bongo continue d'être là, avec sa young team, en train de martyriser les Gabonais, en train de rien faire. Hein? Attendez, vous allez en vouloir à quelqu'un qui est déjà abattu. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous allez en vouloir à quelqu'un qui est déjà abattu. Abattu dans le sens que on l'a émulé, on l'a ridiculisé, on l'a mis en prison. Il a vécu toutes les atrocités possibles. Il sort de là, il est malade. Il atteint d'un cancer. Donc, parce qu'il était avec Ali Bongo, vous dites que voilà, nous sommes maintenant. Vous savez pourquoi il m'a appelé? Hein? Il m'a dit, moi j'ai suivi ton combat avec Ping. Et j'ai compris que tu étais quelqu'un de loyal et cohérent. Voilà pourquoi il fallait que je me confie à toi. Il aurait pu appeler
tous les petits pédégistes qui couraient autour de lui à l'époque. Les pédégistes à qui il achetait des voitures. Vous savez qu'il achetait beaucoup de voitures à certains gars. Mais pourquoi il m'a appelé? Hein? Est-ce que moi j'étais avec lui? Il m'a appelé parce que il connaît, il sait que nous avons été, même à côté de Jean-Pierre, même étant dans la résistance, nous étions fermes. Quand vous voyez le Stéphane Zeng aujourd'hui apporter son soutien, vous voyez l'Andrew Washington apporter son soutien. On apporte son soutien parce que le gars, il sait que nous sommes des gars francs. Il sait que nous ne sommes pas des gens intéressés. Les gens qui étaient intéressés, ce sont tous ces gens aujourd'hui qui l'ont fui, qui sont incapables de lui regarder dans les yeux, qui sont incapables de l'apporter même un petit brin de compassion. Il faut arrêter ça. Votre aigreur, votre haine devient aujourd'hui machiavélique. Devient machiavélique. Vous pensez que tout ce que vous écrivez là, sincèrement, ça me fait mal. Moi, j'en rigole. Ça me fait pas mal. Vous êtes ridicule. Ce que vous écrivez. Si les militaires n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait là, on serait où aujourd'hui? Et qui devait prendre le pouvoir? Vous les avatars, hein? C'est vous les avatars qui devez vous lever pour venir prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je vois comment vous insultez le CTRI. Je vois comment vous insultez les militaires. Je vois comment vous racontez tout et n'importe quoi. Pendant ce temps, on était là avec un type. Le gars, il n'avait pas votre temps. Puisque tel encore, il descend dans vos quartiers. Le voilà, là, il était à Franceville. 4 jours. Ali a déjà fait 4 jours à Franceville. Vous, les Altogobéens, vous qui les connaissez, ce monsieur a déjà fait 4 jours. En tant que président de la République, il a déjà fait 4 jours. Dans sa province. En aucun cas, je n'ai jamais vu, sinon ça aurait été télévisé. Pour une fois, vous avez un gars qui fait 4 jours. Il était chez moi à Makoko, il a fait 4 jours. Dans le Wélo, il a fait 3 jours. Ali a déjà fait 4 jours dans le Haut-Togo. Il a déjà fait 4 jours dans le Webino. Nier. Vous êtes là, chacun raconte ses trucs. Vous tous, vous voulez la chute, vous voulez la chute du CTRI, parce que vous pensez que le CTRI, c'est Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui n'a rien compris du pouvoir. Les militaires aujourd'hui en Afrique sont en train de bosser. Je partage constamment les images des militaires de la Guinée qui sont en train de développer aussi leur pays. Les Maliens, les militaires du Mali, développent leur pays. Les militaires du Burkina développent leur pays. Et les militaires du Niger aussi vont faire la même chose. Vous qui dites, oh, il n'est pas venu pour construire, il n'est pas venu pour faire ci, il est venu pour refaire les institutions. Donc, on refait les institutions et puis on laisse les Gabonais mourir de faim. On laisse les Gabonais sans eau, sans électricité, sans logement, sans travail, quoi, jusqu'à ce qu'on attend. Vous savez que la transition va finir quand? Parce que vous les grands savants, les politologues, manioc virtuel de Facebook. Vous savez que la transition va finir quand? Que vous voulez? Non, il n'est pas président de la République. Il doit faire seulement machin. C'est vous qui êtes là en train de dicter les gens. Mais il fallait prendre vos armes pour prendre le pouvoir. Vous étiez là, vous ne faisiez rien. Alors les militaires se sont levés. Ils ont libéré le Gabon. Vous laissez les militaires marcher à leur rythme. Vous avez déjà vu comment les militaires marchent pour défiler. Vous pouvez marcher comme ça en temps réel, comme les militaires marchent là. Ils ont leur démarche, on laisse les militaires marcher. Et vous voyez bien que depuis qu'ils sont là, les choses, vous allez nous traiter de tout. Je vous dis que je vous fais ça dur. C'est pas ce que vous dites le kunabilisme, là. Je vais vous faire ça dur. Jusqu'à ce que vous allez insulter mes parents, je n'ai rien à cirer de vous. Vous n'avez jamais été des acteurs. Je vois tous ces avatars là, ou bien tous ces gens qui sont là, qui ont des noms. On ne vous connaît pas, vous n'avez jamais été des acteurs, on ne vous a jamais pourchassé.
En 2016, on n'a jamais tiré sur vous. En 2016, on ne vous a jamais arrêté une seule seconde. Moi, j'ai fait 7 jours de cellule, nu comme un ver de terre, à la DGR. À cause de qui? À cause d'Ali Bongo. Hein? Alors, je me dois aujourd'hui de jouir de ma totale liberté. Je me dois aujourd'hui de féliciter le CTI qui a mis cet homme hors d'état de nuit, qui était un danger pour le Gabon. Le deuxième président le plus riche d'Afrique. Tout pour lui, rien pour les autres. Alors, quand les militaires arrivent, il faut rattraper tout ça. Tout est bousillé, il faut rattraper. Au moment où tu vas aller fermer à gauche, il y a une autre tour qui se crée à droite. Au moment où tu vas aller fermer devant, il y a une autre tour qui se crée derrière. Hein? Et vous êtes là, quand il est question de la dette, n'importe qui sort. Des gens qui ne sont jamais allés à l'université, qui ne connaissent rien en économie aussi sortent. Parce qu'on est sur Facebook, on est sur TikTok, on vient développer des thèses de mensonges alors qu'on vit comme un rat. Que ce soit en Occident ou ici au Gabon. Il faut respecter les gens. Hein? Il faut respecter les gens. Blanc est déjà en train de payer sa proximité avec Ali Bongo. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Donc vous voulez quoi? Que vous voulez qu'on continue à tirer sur lui alors qu'il est dans cet état? Je vous ai expliqué que ce monsieur a commencé à avoir des problèmes avec Sylvia parce qu'il s'est opposé catégoriquement à Sylvia qui voulait mettre son fils président de la République après la chute d'Ali Bongo à Riyad. Il a dit à madame, cet enfant n'a aucun background, il n'a jamais travaillé quelque part, ça va être difficile pour lui. Les Gabonais ne peuvent pas l'accepter, je connais ce peuple, ils ne pourront pas l'accepter. Quand Omar a plus ou moins préparé Ali Bongo. Ali Bongo a commencé quoi? Au représentant personnel de son père. Après, son père a commencé à l'envoyer en mission. Ensuite, Ali Bongo était quoi? Ministre des Affaires étrangères. Un ministère de souveraineté. Ensuite, ministre de la Défense. Un ministère de souveraineté. Maintenant, côté parti politique PDG, Omar a fait à ce que Ali Bongo soit vice-président du parti, vice-président honoraire du PDG. Donc c'est que Omar le préparait en même temps, côté gouvernement, côté politique. Ce qui fait que quand son père est mort, le gars a dit, je me présente. Et il a fait, malgré toutes ses magouilles, il a fait pour qu'il soit candidat, mais au moins parce qu'il avait déjà un petit background. Mais ce petit-là, qui revenait de Londres, il militait où? Il était membre du bureau politique où? Il était député où? J'ai même oublié, son père était aussi député. Même s'il ne gagnait pas l'élection, on le nommait député. Bon. Lui, il voulait être, sa mère voulait l'imposer comme chef de l'État. Parce qu'on était tellement devenu le peuple le plus maboule du monde. Qu'un petit, on ne sait pas d'où il vient. Hein? Et puis, on vient le mettre président de la République. Parce que son père était président, donc son grand-père était président, son père était président, donc lui aussi doit automatiquement. Alors, c'est là où les problèmes ont commencé. Et à cela, ils ont ajouté les problèmes d'argent. Les problèmes d'argent, c'était pour couvrir. Comment c'est que vous, les Gabonais, vous avez tellement d'argent? De quand vous parlez d'argent, vous devenez fou. Et eux, ils ont surfé sur ce problème d'argent. Mais le vrai problème, c'est parce que Brice s'opposait catégoriquement à ce que ce petit, à ce que cette femme impose son fils à la tête du Gabon. Et il fallait trouver des stratagèmes pour accuser Brice. Oh, il a fait venir des mercenaires, il voulait faire un coup d'État, il voulait faire ci, il voulait faire ça, il voulait faire ci, il voulait... Alors, après maintenant, c'était le problème de l'argent maintenant qu'ils ont mis au devant de la scène. Oh, il a détourné des milliards, oh, il a détourné des milliards. Comme les Gabonais sont friands d'argent, allez, ils se sont dit, voilà,
Il est temps maintenant de... Il est temps de parler d'argent. Et les Gabonais étaient là, ah bon, hein? Ils ont détourné des centaines de milliards, hein? Hein, notre argent, hein? Hein, machin. C'est dommage. Vous ne regardez même pas, vous ne regardez même pas le processus de l'évolution du problème. C'est la finalité qu'on est venu vous présenter. La finalité d'argent. Oh, il a pris l'argent dans les comptes. Mais vous ne regardez pas que ce jeune homme s'est opposé à ce que Sylvia Bongo mette son fils au pouvoir à la place d'Ali Bongo. Parce que c'était ça. Et vous avez bien vu le schéma. Aussitôt que Brice Lacouche Alianga est sorti de la présidence, aussitôt, elle a fait nommer son fils coordinateur général des affaires présidentielles. Donc, un président. Donc, il était là, il était président. C'est lui qui était le vrai président. Pourquoi quand Blanc était là, on ne l'a pas mis coordinateur général? Hein? On ne l'a pas mis? Il a fallu que Blanc parte pour qu'on le mette maintenant coordinateur, et il a commencé à venir, il est venu faire tout son foufou avec ses gens. Il est venu avec ses gens. Et quand sa mère a vu que les Gabonais commencent à trop faire le bruit, sinon l'enfant risque de rater, enfin leur plan risque d'être raté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait semblant de l'enlever, coordinateur, et on l'a, je crois qu'on l'a même décoré, ils ont fait semblant de l'enlever à la présidence pour embrouiller les gens. Entre-temps, il n'est jamais parti de la présidence. C'était juste... c'était juste une vue d'esprit pour tromper les Gabonais. Or, on l'a enlevé coordinateur, mais il n'est jamais parti de la coordination. Il est toujours la preuve. Chaque fois que son père partait en voyage, il était déjà, il était toujours du voyage, hors du Gabon. Hein? Alors, et les problèmes qui sont là, les problèmes que nous devons, tu peux m'ouvrir là, les problèmes que nous devons relever. Vous pouvez ne pas aimer le monsieur, on ne vous a pas demandé de l'aimer. Moi, je suis désolé. Mais je vous dis, moi, j'ai un cœur de compassion. La seule personne que je ne peux pas avoir pitié, c'est Ali Bongo. Pour plusieurs raisons. Non seulement il a failli me faire tuer, on m'a fait dormir en cellule nue pendant une semaine. Ça, je ne l'oublierai pas. Mais en plus, il a fait tuer des compatriotes gabonais. Et je connais les mamans de ces enfants qui sont aujourd'hui abandonnées à elles-mêmes. Il y a certaines qui n'ont plus d'enfants. Plus d'enfants. Les enfants n'ont pas fait d'autres enfants. Vous voyez une... Voilà une maman qui n'a plus de progéniture. Hein? Qui n'a plus de... Pourquoi serais-je contre Brice Lacouche Alianga qui n'a pas posé ce type d'acte? Et je serai là en train de soutenir Ali Bongo qui a fait tuer les Gabonais. Pourquoi ça? Hein? C'est vous qui devez me dire qui je dois soutenir, qui je ne dois pas soutenir. Vous savez que j'ai soutenu Ping pendant 8 ans gratuitement, sans être récompensé. La seule récompense aujourd'hui, c'est la bravoure que les gens me vouent et le respect que les gens ont pour moi. Parce que si j'étais aussi quelqu'un d'intéressé, quelqu'un qui court après l'argent, j'aurais pu lâcher ce monsieur, même depuis 2016, comme les autres l'ont fait. Hein? J'aurais pu le faire. Vous devez me faire quoi? Est-ce que j'étais là à votre service? C'est moi-même qui, par mes convictions, je suis resté à côté de ce monsieur parce qu'il fallait continuellement vous informer et maintenir la pression. Et c'est cette pression qui a fait en sorte que les militaires en 2023, ils ont dit chose et chose. On a validé un faux coup d'état électoral. En 2009, on a validé un second qui était beaucoup plus sanglant. En 2016, mais on ne va pas continuer le mensonge. Sinon, les Bongos vont penser que c'est-à-dire que le pouvoir ne tournera qu'autour des Bongos et ils compteront sur l'armée pour continuer de les protéger, pour qu'ils restent là, même s'ils ne foutent rien. Voilà quelqu'un qui nous a fait perdre 14 ans gratuitement, rien. 14 ans
pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école, pas d'université, en train de faire le bling-bling avec sa femme qui portait des tenues de plus de 200, 300, 400 millions de francs. Quand vous la voyez dans des grandes sorties, genre 17 août, vous voyez les tenues qu'elle porte, elle n'a pas moins de 300 millions sur elle, y compris les bijoux, juste pour jouer les grandes stars. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Mais ça, vous n'en parlez pas. Mais dès que vous allez voir les ministres du gouvernement du CTR en train de fêter la victoire du match, en train de boire du champagne, vous venez critiquer. Pendant ce temps, vous avez une femme qui portait des montres de 50 millions, 60 millions ou des 10 millions. C'est Stéphane Zeng qui faisait la police special. À cette époque, ça ne vous disait rien. Quand Stéphane Zeng, aujourd'hui, vous voyez que Stéphane Zeng aujourd'hui soutient le CTI, vous traitez les gens de tous les noms d'oiseaux, mais vous oubliez que ces gars ont fait un grand travail. Ils ont fait un grand travail, un travail que vous n'avez pas fait, vous les peureux de ce pays. Hein? Vous les grands peureux de ce pays. Parce que j'ai compris que vous êtes des lâches. Votre seule façon de venir vous exprimer, c'est de venir jouer les durs derrière les caméras. On ne joue pas les durs derrière les caméras. Moi, je suis un dur. Je marche aujourd'hui à Libreville, tête haute. Si j'avais insulté les pédagogistes ou les personnalités, si je les avais insultés, si j'étais rentré dans leur vie privée, si j'avais insulté les militaires et autres, mais je serais peut-être dans la situation à laquelle je ne rentrerais même nulle part. Mais aujourd'hui, je rentre tête haute partout. Tête haute partout. Parce que tout le monde me respecte, mon combat à payer et mon combat était un combat digne. C'est à cause de ça que ce monsieur m'a fait appel. Parce qu'il a vu parmi les gars qui étaient au pays, qui se battaient pour la résistance, qui se battaient pour l'alternance. J'en fais partie. Il a dit, appelez-moi Jules Bertrand. J'ai des choses à lui dire. Et depuis là, on est resté. Hein? Je suis déjà allé chez lui à 4 reprises. Nous avons eu des longues discussions. Parce que c'est ça. On peut tout dire. Ce jeune homme a bossé. Il a goudronné les rues dans la cité de la Caisse. Il a goudronné les rues dans Zayon, dans Dragage, jusqu'à Milonsi. Il a goudronné les rues dans Kandal. Il a pavé des routes. Hein? Voilà. Pour aller à, comment on appelle ça, Cap Caravane. C'était son travail. Donc, dans le Haut-Togo, pareil, il a construit tout un village, le village de son père, par reconnaissance. Ali Bongo a fait ça. Ali Bongo qui est incapable de construire, même dans le village de sa mère, même pas laisser un souvenir pour dire que cette femme, elle a tellement souffert pour moi. Il faut que je construise quelque chose dans son village. Rien. Il n'avait rien à cirer. Hein? Il n'avait rien à cirer. Quelqu'un construit le village de son père. C'est resté gravé dans la tête des gens de Yuwa. Aucun Gabonais n'a fait ça ici. Aucun Gabonais qui fait la politique. Parce qu'il y a un gars à Bitam qui a construit tout un village. Quand tu vas à Bitam, hein, je crois que ça doit être à 17 km de Bitam. Quand tu reviens de Bitam Centre, il a construit tout un village. Voilà. Là aussi, il a fait. Pendant ce temps, Ali Bongo, là, il n'a jamais conçu de maison. Mais vous étiez en train de tuer les gens pour lui. Vous étiez en train de mettre les gens en prison pour lui. Vous étiez en train de nous pourchasser pour lui. Vous pourchassez les gens. Pourchasser les gens pour une mauvaise personne. Quelqu'un qui ne foutait rien. Qui n'a pas votre temps. Soit disant que parce que c'était un pédagogiste. Et puis vous voulez nous empêcher de soutenir le CTI. Vous êtes malade.
Pendant que vous vous êtes en train de soutenir un incapable, quelqu'un qui ne sait rien faire. Alors nous, on soutient les gens qui font quelque chose et vous nous en voulez pour ça. Vous nous traitez de tous les noms, vous parlez de conabélisme. Conabélisme parce que vous êtes jaloux, vous avez voulu être à la place des autres. Quand vous étiez avec la Young Team, en train de manger l'argent de la Young Team, en train de voler l'argent de l'État gabonais, vous nous avez vu vous en vouloir. On ne vous a jamais en voulu. Vous étiez en train de détourner l'argent. Nous, les terres, on dénonçait uniquement les actes de ce pouvoir. Que toi, tu manges l'argent ou pas, ce n'était pas notre affaire. Pourquoi aujourd'hui? Parce que les gens sont plus ou moins libres. Les gens sont libres. Les gens sont en choix. Tu prends ton café, ça devient un problème. Tu t'habilles bien, ça devient un problème. Tu pars dans ta voiture, ça devient un problème. Vous auriez voulu que les Gabonais vivent comment? Vous voulez qu'on vive comment chez nous? Vous voulez qu'on vive comme des rats chez nous au Gabon, alors que le Gabon est l'un des pays les plus riches d'Afrique? Ça ne vous va pas un peu dans la tête? C'est parce qu'on a été retardé par les Bongo que vous pensez que le Gabon se limite au Bongo. Hein? Vous pensez que si le Gabon avait décollé, on serait comme les Dubaï. Et c'est ce qui fait en sorte que vous avez un cœur noir aujourd'hui. Vous en voulez à tout le monde. On nomme les gens au gouvernement, ça vous fait mal. On nomme les gens dans les ministères, ça vous fait mal. On nomme les gens dans les administrations, ça vous fait mal. C'est quoi ce comportement d'écreur? C'est quoi ce comportement de complexé? Ça, c'est pas le comportement de Gabonais. Moi, je suis né, ça fait plus de 50 ans, mais j'ai jamais vu ça. Vous êtes devenu envieux, vous êtes devenu haineux. Je ne sais pas si ce sont les réseaux sociaux qui ont amené ce comportement. Mais ça fait honte de voir les Gabonais vous comporter comme des étrangers qui sont venus. Ce sont les étrangers qui doivent nous envier. Qui doivent nous envier parce qu'ils sont venus dans notre pays. Ils sont au courant que le Gabon est un pays riche. Ce sont eux qui se cherchent une vie. Mais le Gabonais ne peut pas se comporter comme un étranger. En train d'envier les autres, en train d'avoir de la haine, en train d'être jaloux, vous voyez quelqu'un faire ci, oh machin, tout ça là. Il faut enlever cet esprit. Moi, je suis déçu quand je vous lis en permanence sur la toile, je vois des gens qui ont créé des faux comptes, des bas Feni Gabon, des bas info certifiés, une bande de racailles des réseaux sociaux. Vous êtes là tous les jours. Vous attendez seulement qu'il y ait un petit incident, vous venez tirer sur le CTI, vous venez tirer sur les membres du gouvernement. Attends, on a souffert avec Ali Bongo, ça ne vous dit rien. Au moment où on doit souffler, au moment où on voit les choses se réaliser à gauche, à droite, voilà des grands projets. Tout à l'heure, là, je suis passé devant la nouvelle cité administrative qui est en construction. Mais ça ne fait pas bien comme ça. Regardez au niveau du Pornwall, les projets du FGS. Ça ne vous fait pas du bien? Hein? Mais vous êtes là, vous attendez seulement si un militaire a tapé quelqu'un, ça devient un problème. C'est comme si le militaire avait tapé tout un village. C'est ce que vous extrapolez. Bon, voilà, le CTRI, on nous avait promis machin et tout. C'est-à-dire que les bonnes actions, vous n'avez rien à cirer des bonnes actions. Hein? Vous n'avez rien à cirer des bonnes actions. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui se fait de mal. On peut aimer le mal comme ça, c'est pas possible. Vous êtes né de quelle famille pour adorer le mal? Est-ce que vous êtes vraiment des Gabonais 100%? Des Gabonais qui ont vécu avec leurs grands-parents, qui ont vécu avec leurs parents. Parce que quand on a vécu au milieu de nos parents, moi je suis né dans une famille, mon père avait beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Les frères de mon père, la famille de mon père s'est répandue dans tout le Guébindo. Vous les trouvez à Makoku, vous les trouvez à Ovan, vous les trouvez à Boué. Donc, il nous arrivait d'aller passer les vacances à Boué chez nos parents. Il nous arrivait d'aller passer les vacances à Ovan chez nos parents et ou à Makoku.
Donc nous, on connaît le sens de la famille. Vous, vous connaissez quel sens de la famille? Où vous êtes aujourd'hui, vous êtes haineux des uns envers les autres. Vous ne voulez pas voir les autres prospérer. Je voyais le balcon, ceux qui me demandaient si le président... Mon frère, mon petit, ce n'est pas ma priorité que le président me reçoive aujourd'hui ou à la fin de l'année prochaine ou 2 ans après. Ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est que je veux voir le CTRI avancer. Je veux voir le CTRI changer le Gabon. C'est ça ma priorité. Vous voyez, je ne souffre pas. Je ne souffre pas, je suis forcément quelque part. Je vois les gens, oh, on est là pas amené en France. La France, c'est pas ma, c'est pas, la France, c'est pas une finalité pour moi. Moi, j'ai des challenges. Ali Bongo m'a bouffé 14 ans. Donc, si aujourd'hui, je commence à jouer de mes 14 ans, c'est pas pour aller me balader en France, ça va me rapporter quoi. Je n'ai rien à cirer de la France. Si, pour certains, la France, c'est une sommité ou bien c'est un... c'est, comment on appelle ça? C'est une finalité. Chez moi, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un objectif. Moi, j'ai mes objectifs ici. J'ai même mon fils qui passe le bon, mon dernier fils qui est en train de passer le bac. Il passe le bac, il a 16 ans. Voilà mes priorités. Mes priorités, ce n'est pas, il faut que j'aille en France, je vais aller faire quoi? Je ne suis pas un opérateur économique. Ce n'est pas parce qu'on a amené les uns, eux-mêmes, ils savent pourquoi ils partent. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Il faut que nous sortons des mentalités rétrogrades qui nous ont envahis pendant 14 ans. Et ont des mentalités gabonaises. Montrons au monde que nous sommes un petit peuple, mais très réfléchi. Regardez le coup d'État qui s'est fait là. Aucun coup d'État dans le monde ne s'est fait comme celui-là. Trop stratégique. Les gars sont là. Eux-mêmes, ils sont là, ils ne comprennent rien. Ils n'ont rien vu. Eux-mêmes, ils sont là, ils n'ont rien vu. Eux-mêmes, ils sont là, ils n'ont rien vu. Ils sont... C'est à cause de ça que vous voyez, les bilibisés sont obligés de sortir de temps en temps. Parce que les bilibisés ne se voyaient pas dans la situation où il est chez lui aujourd'hui, en train de regarder la télé ou en train de regarder les lives. Il était habitué là, il appelle les médias, il fait ses sketchs et tout ça, machin. Mais le gars, il voit que c'est dur. Franck Guéma, il est obligé de faire toutes les singeries qu'il fait là. Demain, il sera certainement dans un autre quartier, faire semblant, nous sommes déjà 18 000, machin, comme si. Donc, mesdames et messieurs, nous devons changer de mentalité. Vous demandez au CTRI de restaurer les institutions. Moi, je vous demande de restaurer ce que vous avez dans votre tête pour que vous puissiez comprendre que le nouveau logiciel, le vrai logiciel gabonais doit désormais intégrer votre tête. Ce n'est pas le logiciel qui nous avait été imposé par des gens venus de je ne sais où. Ayons compassion des autres. Bla ne m'a jamais tué un parent. Bla. Ce n'est pas lui qui a demandé à Ali Bongo de massacrer les Gabonais en 2016. Jamais. Donc, vous ne pouvez pas l'en vouloir comme si c'était lui Ali Bongo. Alors qu'Ali Bongo lui-même, il est assis là. Il a sa tête entre les épaules. Vous ne tirez pas à boulet rouge sur lui et puis vous tirez à boulet rouge sur quelqu'un qui est malade, qui est en train de lutter avec la mort. Il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas gabonais. Vous avez compris? Voilà. C'était mon message du soir. Je vous remercie de m'avoir suivi.